seconde. Voilà, attends. On veut regarder comment la profondeur dans le sol change la décomposition racinaire dans le sabre. On peut voir ici toutes les racines de sabre, de ce arbre-là, qui sort dans le sol. Du coup, c'est ça qu'on prend. On prend les racines grossières comme ça, et on prend aussi le racine fine, et on les met séparés. Bah, vous voyez, il y a beaucoup de racines fines, mm-hmm. et aussi des racines plus grossières, de structure. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend on creuse les premiers 20 cm et on met la terre d'un côté. Et après, on trie toutes les racines qu'il y a dans le premier tas de surface. Et après, on les met dans des litter bags et on les remet dans le sol pour regarder un peu la décomposition racinaire dans l'année. Du coup, maintenant, nous sommes en train de creuser la partie profonde. Et on fait la même chose, on creuse de 60 à 100 cm, on enlève tous les racines et après on les met dans de petites poches de toile et on les remet dans le sol pour regarder comment ça se pourrit dans temps de, à peu près entre 10 et 12 mois. Dans la décomposition racinaire, il y a trois facteurs qui affectent la décomposition. C'est le climat. Donc la précipitation et la température. Il y a un effet pédologique, ça veut dire le sol, les microbes qu'il y a dans le sol et la faune. Et après, il y a l'effet racine. Donc il y a plus d'azote, moins. Donc ce qu'on veut voir ici, c'est l'effet racine seulement. Donc il faut qu'on homogénise l'effet climat et l'effet pédologique. Donc on met le même type de sol. Ça homogénise l'effet pédologique et on les met à incuber dans une salle à 25 degrés et toujours la même humidité du sol. Comme ça, on homogénise le climat. Donc, ce qu'on va voir après ces semaines d'incubation, c'est quel effet racine. Donc, s'il y a un effet racine, les racines vont se décomposer différemment dans de différents traitements. Il y a des résultats assez intéressants et qui montrent qu'on arrive à prédire la vitesse de décomposition des racines à partir de traits chimiques, notamment c'est la teneur en lignine sur azote qui est le meilleur prédicteur de la décomposition et on arrive à bien prédire la vitesse de décomposition des racines en milieu contrôlé. Donc maintenant on va le tester, voir si cette prédiction on peut l'appliquer à des mesures de décomposition in situ. Ça risque d'être différent parce que quand on est en conditions contrôlées, on contrôle à la fois le sol, la température et l'humidité. Alors que sur le sol, dans les fosses in situ, en plus de l'effet caractéristique des racines, on intègre tout ce qui est conditions édaphiques qui changent. Donc là, le sol change en fonction du traitement, l'activité microbienne, la densité de micro-organismes change. On a les conditions climatiques qui changent aussi énormément. Pas au sein d'un site comme ça, mais entre sites Laos, Costa Rica. Donc là, ces données, on récupère les litter bags en ce moment, mais on va pouvoir tester si ce sont les mêmes caractéristiques qui pilotent la décomposition et quelle est la part dans le processus de décomposition, quelle est l'importance de la qualité du matériel végétal, du climat et puis du milieu édaphique. On est le 28 mai. Et on va déterrer les litter bags qu'on avait mis à décomposer il y a 12 mois en surface et en profondeur dans deux tranches, dans deux différents systèmes agroforestiers. Donc noyer bleu, garrigue et noyer seul. Ici, ce qu'on veut voir, c'est l'effet de l'environnement. Donc l'effet du sol de différentes profondeurs et le type de sol et le type de système dans la décomposition, dans la perte de poids. Le litter bag, c'est composé d'une poche où on avait mis des racines frais de noyer, donc des racines fines comme celui-ci et des racines un peu plus gros comme celui-là. Et du coup, on les avait mis. Il y a 12 mois, on avait déterré les racines, on les avait coupées.
On les avait mis dans de petites poches, on les a fermés, on les a enterrés dans le sol. Et ils sont restés là pendant 12 mois. Bon, le résultat à quoi on s'attend, c'est que la décomposition racinaire, donc c'est, la décomposition racinaire, c'est en rapport avec la perte de carbone dans les racines. Et ce qu'on s'attend, c'est qu'il va avoir une perte plus forte en surface qu'en profondeur, justement dû au fait qu'il y a plus de variations en température. Il y a les racines, ils sont plus fins, plus longs, donc du coup, il y a un effet trait aussi. Et donc on s'attend à plus de décomposition en surface qu'en profondeur et plus de décomposition sur les systèmes agricoles que sur un système mixte comme celui-ci avec des arbres, des cultures. Mais ça reste une hypothèse pour le moment et il faut la tester avec ces données-là.